Salut les mélomanes, ici Denis Hervé, bienvenue à Circuit Local. Comment vas-tu mon ami Pierre Larouche? Ça va très bien, merci. Troisième épisode de Circuit Local, tu nous amènes où aujourd'hui? Où tu penses que je t'amène? Regarde ce que j'ai mis aujourd'hui. Hawaï! En tout cas, il fait beau, là, il fait chaud. Je t'amène pas de ta fête à Hawaï, mais j'appelle le soleil, ça c'est sûr. Puis notre invité appelle le soleil aussi, c'est magnifique, c'est Marc-André Béliveau. Marc-André Béliveau, on le connaît, moi je l'ai connu comme gars de son aussi, un peu comme Seb Rivard, mais c'est un musicien bien avant un gars de son. Et puis, on va tout de suite aller l'entendre en musique. On fait du reggae californien, d'où ma chemise. Splendide. Donc, on appelle le soleil en gang, on s'en va en musique, puis on vient avec l'entrevue. Excellent. 1, 2, 3, 4. I wanna be free. Free my mind. These are the photographs. I don't need them cause I really wanna never think back. I'm hurt right down to my core where I wish I never wandered. Marc-André Béliveau. Hey, bonjour. Merci beaucoup de m'inviter. Ça fait plaisir, merci d'être là. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien. Le soleil. Ouais, le soleil. Moi, tu me fais penser au soleil. Ta musique, ce que je connais de toi, le reggae californien, ça me fait penser au soleil, d'où ma chemise, comme je l'ai dit tantôt. Tu fais de la musique depuis longtemps? Oui, j'en fais depuis longtemps. Enfance ou adolescence? Début adolescence, mettons. J'ai commencé à composer mes chansons quand j'avais 12 ans. 11-12 ans. J'ai commencé tout de suite à écrire des chansons. À 12 ans, direct, t'écrivais des chansons, toi. Ben, c'est pas tout le monde qui fait, c'est pas tout le monde qui commence la musique en commençant tout de suite à écrire ses chansons. Mais c'est ça, moi j'avais un cousin qui était un petit peu plus vieux. Moi qui écrivais déjà ses chansons, fait que c'est lui qui a été ma première influence à écrire mes chansons. À la guitare. Ouais. T'écrivais quoi? Ben, c'est ça, c'est drôle que tu parles de soleil parce que. c'est drôle que tu parles aussi de reggae parce que, tu sais, je fais pas juste du reggae. Moi, j'appelle ça plus du reggae folk rock. Fait que, tu sais, je fais du folk, je fais du rock, je fais du reggae. Je fais pas juste un des trois, tu sais, puis je fais un petit mix de ça.
Puis quand on dit soleil, mais c'est ça, dans le fond, c'est rare que j'écris des chansons pour parler de choses heureuses. T'sais, moi, c'est ce qui me fait plus écrire, c'est plus des émotions plus plates, ce que je vis dans ma vie. Puis c'est plus ça qui me fait écrire. Dans le fond. Ton moteur émotif, mais oui, émotif, il est plus négatif, ouais. Mais pourtant, ben, ça sort en soleil. Ben oui, c'est ça. Mais c'est comme un petit peu une thérapie. Là, ouais. Là. Ouais. mais par exemple, j'essaie tout le temps de faire mettre plus une chanson plus heureuse, un petit swing dedans, avec des paroles plus dark, un peu peut-être même. Oui. Fait que ça fait un genre de mix un petit peu mélancolique. C'est drôle, ces noms semblent rappeler les colocs et Dédé Fortin. Tout le monde pense qu'il était juste sur le party, lui, puis avec un pas de recul, on a fait comme « Oh mon Dieu, toutes ces chansons sont tristes, mais pourtant c'est super festif. Ouais. » Fait qu'on est là-dedans. Ouais. À 12 ans, tu écrivais tes chansons. Ouais. Je te l'accorde, hein, j'ai dit reggae californien, mais tu me parles de folk rock. Écoute, je t'ai entendu tantôt répéter, puis on est dans Red Hot Chili Peppers par moment. On est dans le rock californien, effectivement. Mais oui, mais oui. On est dans cette influence. Oui, très intéressant. Ouais. Fait combien de temps que tu baignes là-dedans, c'est-à-dire que tu joues avec ton groupe, ça fait-tu longtemps? Ou, Ben oui, mais il y a un membre du groupe, Alexis, là, le bassiste, là, lui, ça fait 25 ans qu'on joue ensemble. OK. Il a acheté sa première base. On a acheté sa première base ensemble. On a dit, ben gars, moi, je me cherche un bassiste. Ça te tente-tu qu'on fasse de la musique ensemble, tu sais? Ça a commencé de même. On avait 14-15 ans, là, à peu près. Mm. OK. Après ça, ben les autres musiciens, ben je les ramasse en me promenant. Dans le fond, je suis un gars qui se promène pas mal. Puis c'est ça, fait que... J'écris beaucoup mes chansons. En spectacle, je fais beaucoup mes chansons. Je fais tout le temps un petit peu de cover, c'était là. Oui, aussi. Mais vu que je bouge beaucoup, ben, les musiciens bougent beaucoup. Puis j'aime ça aussi, partager ça avec plusieurs personnes. Là, que ça soit pas totalement steady, là, je trouve ça intéressant d'aller voir ça, d'autres musiciens. Oui, je comprends complètement parce que j'ai à peu près la même démarche. Je ne vais pas parler de moi aujourd'hui, mais j'aime ça écrire des chansons brutes. Puis c'est ça que ça donne. Ça fait qu'on a, on a un canevas, puis on dirait qu'on peut l'essayer à toutes les sauces. Ben oui, mais c'est ça, exactement. T'sais, moi, je suis pas le meilleur musicien du monde. J'écris des bonnes chansons, je pense. Mais là, je vais aller chercher des professionnels pour faire les arrangements et tout ça. T'sais, des fois, j'ai des idées. C'est moi qui essaye de pousser les idées. Mais en allant chercher des musiciens meilleurs que moi, ben souvent, ben, ça fait rehausser la toune aussi. T'sais. C'est un excellent plan de match. C'est un excellent plan de match. Comment tu fonctionnes pour l'écriture de tes chansons? C'est-tu par séquence? Y a-tu des choses qui t'inspirent dans la vie? Comme tu disais tantôt, c'était plus des... Côté paroles, c'était plus au niveau émotif, négatif peut-être, des affaires qui t'ont arrivé dans la vie. Mais en ce moment, t'es dans quel mood, là? Bien, de ce temps-là, bien, justement, je suis en train de travailler sur un album. OK. Je prends beaucoup de temps à faire mes albums. Là. Souvent, c'est 3, 4, 5 ans avant que je réussisse à cracher un album, là, dans le fond. Mais, c'est bon signe, ça. Les prochaines tunes, bien, justement, il y a une tune sur les quarantaines, dans le fond, c'est ce que j'ai vécu là. C'est mes tunes d'amour. C'est pas des tunes d'amour d'un autre gars. Là, c'est mes chansons à moi, ce que j'ai vécu là-dedans, dans ces relations-là. Après ça, ben, c'est souvent des textes en relation avec les gens. Okay. Par rapport à moi qui vis des choses par rapport aux autres. Ben, c'est ce qu'on vit, hein. C'est un peu notre identité culturelle, notre musique. C'est... sing that lullaby, and then we'll
Yeah. Musicalement, tu disais tantôt, on parlait tantôt un peu de ce qui t'avait marqué au niveau musical dans ta jeunesse, tout ça. Qu'est-ce que tu écoutais dans ta jeunesse? Puis qu'est-ce que tu as continué d'écouter? Qu'est-ce que tu as apporté dans ton bagage musical encore aujourd'hui? Bien, c'est sûr que quand j'étais plus jeune, je faisais de la toune plus rock, plus punk. Okay. Tout okay. Ça, puis à un moment donné, ben ça fit avec le ski. Ben oui, c'est ça, ouais, ouais. Puis ça, c'est sûr que je me suis calmé pas mal, okay. Je dirais. S'il y a une chose qui a changé là, par rapport à quand j'écrivais plus jeune, là, je voulais que ça rock moi aussi. Okay. Là, c'est tard, j'en écoute pas beaucoup de musique qui rock plus. Là. Déménage plus. Fait, j'écoute. Je fais des tunes plus comme ouais. Moi j'aimerais écouter dans le fond. T'sais. Puis je dis souvent, il ouais. Y a personne qui l'écoute plus que moi ma musique. T'sais. Moi, je l'ai fait ma musique ben. Pour l'écouter, là, tu sais, moi, en premier, là, tu sais, puis là, tu disais tantôt que j'avais fait du son aussi, ben ouais. Et ça, tu sais, dernièrement, ben j'ai appris à faire de la sonorisation plus, sérieusement. Fait que ça, tu sais, je passe beaucoup de temps à faire ma musique, puis à l'écouter, puis c'est un petit peu pour ça que j'ai de la misère. Ça me prend du temps avant de les sortir, parce que, tu sais, je me contente beaucoup de l'écouter. Ouais. À un moment donné, ça m'importe même plus de le faire écouter au monde. C'est comme, moi, je l'ai écouté, je suis correct. Oui, c'est ça. Est-ce que t'as commencé donc au punk un peu? On en a parlé un peu tantôt, c'est sûr. Ça, on entend le punk rock quand on regarde des vidéos de snowboard, de skateboard, de patente comme ça. Le reggae californien, écoutais-tu du reggae jamaïcain avant? Parce qu'on sait que toutes les racines. Tu sais, le reggae jamaïcain, c'est là que ça a commencé. Ben le reggae, ça c'est allé en Californie. Il y a même des Jamaïcains qui sont allés faire du reggae en Angleterre, puis il y a du reggae d'Angleterre qui est né. On pense à The Police qui ont des sonorités reggae, des affaires comme ça. T'es-tu, est-ce que tout ça a été une influence pour toi ou c'est. Ou le style plus Jack Johnson, puis Ben Harper, c'est venu après. Ouais. Ben moi, c'est. Ben, tu sais, je l'ai toujours écouté du Bob Marley, là, tu sais. Ouais. Qui n'a pas écouté du Bob Marley? On en écoute encore. Mais tu sais, de là à dire que j'écoutais beaucoup de reggae, non. Ouais, non. Tu sais, mais quand j'ai entendu Sublime, justement. On est pile dessus, là, la Californie. Ça, Ben Harper, Jack Johnson, ça m'a vraiment touché, ces musiques-là, puis j'ai vraiment beaucoup composé dans ce sens-là. Ouais. Dans ce sens. Ben, t'as mis le doigt dessus, là, reggae californien, puis musique plus ensoleillée, tu sais. Ouais. Puis en ce moment, tu parles, tantôt, tu disais, t'es en, je crois, en écriture d'un autre album. Ouais. T'as combien d'albums? C'est ton combien de titres? J'ai 3 albums. OK. C'est tout sur Spotify. OK. Ou sur toutes les autres plateformes où tu peux les écouter ou les acheter. D'ailleurs, si vous voulez me faire plaisir, ben c'est le fun, les streamings. Puis les écouter, mais c'est encore mieux quand vous l'achetez. Oui, bien, c'est sûr. Parce qu'un stream à domicile, ça paye pas fort. Hein? Ouais, certainement, mais je vais sûrement l'acheter parce que je voulais l'écouter avant de m'en venir, puis je l'ai pas fait. Tu vois, j'aime ça faire des entrevues assez vierges, fait que je suis content de pas l'avoir fait avant. Mais c'est une promesse, je vais te l'acheter certainement. Je savais pas, donc tu en as 3 avant, tu m'as dit? Ben oui, j'ai 3. Ça serait ton 4e que tu travailles dessus? Oui. Wow! En combien d'années? Tu disais que c'était long avant que tu sortes. Une vingtaine d'années. OK. C'est bon. Je dis 3, 4, 5 ans là, par année, par album. Mais tu sais, quand on se compare, là, Dave Grohl fait pareil. C'est long avant qu'il sorte un album. Ouais. Puis fait que tu vois, c'est un compliment que je te fais. C'est pour quand ton 4e album? Bien là, j'espère très prochainement. Les tunes sont composées. Il reste à faire les arrangements. À finir les arrangements, puis refaire une coupe de voix. Tu fais ça tout seul? Je sais que tu as installé ton studio dans les dernières années. J'en fais beaucoup tout seul, mais les arrangements, ça, comme je te dis, je fais tout le temps un appel à mes amis qui sont meilleurs que moi pour m'aider là-dedans. Là. Ouais. Je t'entends chanter en anglais. Est-ce que tu fais seulement de l'anglais ou tu fais les deux? Alors, j'écris en français aussi, mais c'est tellement difficile. C'est difficile en français. Tu trouves ça difficile en français? Ah, je trouve ça vraiment dur. En fait, j'écris comme un petit gars de 12 ans en français. Puis donc, t'écris en anglais depuis toujours? Ben non, j'écris en français puis en anglais. Non, j'en écris en français aussi. Mais puis sont sur tes autres albums, les tunes en français? J'en ai pas beaucoup sur Internet qui sont en français. On va dire. J'ai plus poussé mon stock en anglais parce que, dans le fond, en voyageant, la langue, effectivement, la langue la plus facile à te faire comprendre, c'est en anglais. Là, mais oui, c'est ça. Fait que, en fait, les tunes en français, là, j'ai réécrivé quand je revenais au Québec. Puis que là, je chantais mes tunes en anglais à mes chums qui comprenaient à moitié rien. Fait que là, ben là, je me remettais à réécrire en français. T'sais. Le matériel que tu nous présentes aujourd'hui, est-ce que c'est tiré de ton dernier album?
J'aurais vraiment aimé ça, pouvoir vous présenter une toune de mon dernier album, de mon prochain album. Ouais. Mais malheureusement, on n'était pas assez prêts. OK. Fait que, on n'a pas pris de chance. J'ai choisi trois tounes. Puis ça tombe que c'est les trois tounes qui sont sur mon dernier EP avant. Puis c'est, s'appelle, quoi, le, ouais, c'est quoi le nom de ton EP? S'appelle Marc-André Béliveau and Two Outsiders for a Good Cause. OK. Fait que vous pouvez trouver ça sur Internet en tapant mon nom sur Google. Super. Excellent. Ouais. Merci beaucoup. Merci les boys. Hein. Merci. Bien apprécié. Un, deux et un, deux. C'est la fin. Merci d'avoir été là. Merci à Marc-André Béliveau et sa gang. Merci TVCO. Merci Microbrasserie Country Club Baie-Saint-Paul. Passez les voir, elles sont ouvertes pour des planètes à emporter. Manquez pas le prochain rendez-vous de Circuit Local. Salut. Ciao.